Bienvenue pour cette 10e édition de la patinoire à la Courneuve. Bienvenue aussi pour lancer ce mois de la solidarité, puisque cette initiative s'inscrit dans la volonté de la municipalité de faire de ce mois de décembre un mois de la solidarité, c'est-à-dire un mois où nous voulons faire vivre les droits des citoyennes, des courneuviennes et des courneuviens. Nous considérons que ça fait partie de notre identité maintenant dans cette ville que de permettre que ce type d'activité puisse être accessible à toutes et à tous. C'est super agréable, c'est super bien organisé, il y a une belle animation et puis ça me permet de rencontrer les mamans d'autres enfants et puis voilà. Et ça me fait plaisir de voir les enfants s'éclater comme ça. On vient à la patinoire pour que les enfants puissent s'amuser. Et grâce à la mairie aussi qui nous a fait la carte famille, alors bon, on profite. Hein. Bah, ça fait plus de 7 ans que je viens ici parce que ça m'amuse. C'est super bien la patinoire. Parce que aussi la patinoire, ça peut nous faire profiter parce qu'ici à la Courneuve, il n'y a pas de patinoire. C'est bien la patinoire. Oui, c'est très bien. Oui, ça se passe bien. Les enfants, ils sont tellement contents et moi aussi, je suis bien amusé avec tout ça. Je viens ici pour apprendre et puis c'est la première fois que j'en fais. Et puis maintenant j'habite ici. On est tombé et après... Ouais, voilà. On a arrêté de tomber. Déjà, il faut avoir le sourire. Parce que c'est quelque chose qu'on apprend un peu tout seul. C'est un peu comme marcher. Et après, nous, je vous conseille de venir le samedi matin et le dimanche matin, car on vous donne des cours pour apprendre à vos enfants et aux mamans et aux papas à patiner. Et après, les conseils que je peux donner, essayer de trouver un bon équilibre, ne pas rester statique, toujours en mouvement. Avoir un bon équilibre dans son patin, bien se couvrir les doigts pour éviter les accidents. Faire le choix de permettre que tous les Courneuviennes et Courneuviens puissent participer eux aussi à ce moment général de fête, de solidarité qui rime avec la fin de l'année. Je trouve que c'est faire preuve de solidarité à ce moment-là. Et concrètement, c'est un choix que nous assumons complètement parce que ça permet de retisser des liens dans cette ville. Et je crois que nous avons besoin, dans ces temps difficiles, de ces moments de joie, de bonheur, de rencontre.